Voilà. Il était dans un milieu. Ça faisait pas longtemps qu'il était sorti. Ouais, il était staff. Ouais, bah ouais. Franchement, quand on entend une mort comme ça, on t'en reste au champ. Je sais pas moi, mais. Okay, j'allais dire, pour lui, mais c'est quoi il n'y a pas que lui normalement, là. Il y a deux mecs normalement. Il y a lui et un autre cas. Non, il était avec sa femme, je crois. Ah ouais. Ici. Il était avec sa femme, ouais. Il est venu, je crois, il a avec sa femme dans la voiture. Et sa femme, elle est là. Et toi, t'es bien. Sa femme, je pense pas que j'ai pas vu, j'ai pas entendu que sa femme est morte. Ouais. La tête de moi. Putain, ils sont très très sombres. Même au club, il y avait un mec au feu. Pareil, ça me. Pareil, il est passé à la casserole. Voilà, devant le carrefour. Salut les amis, c'est Marcus Dia. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça ne sera pas une analyse. On va plus relater un fait d'actualité. Un drame qui s'est produit hier sur le parking du McDo de Garges-lès-Gonesse. Le rappeur Samat. Paix à son âme, s'est fait assassiner hier. Une équipe est venue. Ils lui ont mis une balle à bout portant dans la tête. Ensuite, ils ont pris la fuite. Ils ont brûlé le véhicule un peu plus loin sur un parking à Stain. Dans ce grand malheur, la femme de Samat a été épargnée ainsi que son fils. Ils n'étaient pas dans la voiture quand ça s'est produit. Mais vous pouvez imaginer le drame quand son fils et sa femme l'ont trouvé dans cet état. Encore une fois, une famille va être en deuil. Un père, une mère ont perdu un fils. Une femme a perdu son époux. Des enfants ont perdu leur père, puisqu'apparemment Samat n'avait pas qu'un seul enfant. Il avait plusieurs enfants. Et donc au final, ce sont encore des familles qui vont être endeuillées. Tout simplement parce que la rue ne joue pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Samat, Samat est arrivé dans le game avec son premier projet en indé en 2005. Le projet s'intitulait Samat Fit Hip Hop de Rue. Et déjà dans son premier projet, il avait déjà énormément de featuring. C'était une mixtape. D'ailleurs, à la différence de beaucoup de rappeurs qu'on peut voir dans ce game, qui prônent la rue, qui prétendent avoir des terrains, qui prétendent être de gros big raveurs, mais qui ont toujours besoin d'une maison de disques pour pouvoir sortir un disque. Lui, il était dans la vraie rue. Et donc, c'est pour ça qu'il a facilement financé son premier projet en indé. Ensuite, en 2006, il a sorti Juste Milieu, qui était un album. Ensuite, il a sorti en 2007 un album en commun avec Larsen. Larsen qui lui a quitté le rap depuis et qui est rentré dans la religion et qui a quitté le rap au bon moment, qui a quitté la rue au bon moment. Je me souviens puisque ça s'était passé suite à un reportage où il avait été victime d'une forme de guet-apens par les médias, notamment BFM et d'autres médias. Et bref, ça avait été loin et en fin de compte... Suite à ce reportage, Larsen, sans s'en rendre compte, en fait, a donné des pistes aux flics à l'époque par rapport à ce reportage. Et le lendemain, il y a énormément de terrains qui ont sauté. On avait mis ça sur le dos de Larsen alors que c'était involontaire de sa part. Bon, après, c'est une grosse erreur puisqu'il a ramené carrément des gens sur des terrains. À cette époque-là, il se présentait comme un animateur, il faisait du social. Donc, dans quelques mois après, il a quitté la France, il s'est installé en Algérie. Aujourd'hui, Larsen, il est dans le Dean. Il est installé maintenant au Maroc. Ensuite, en 2007, Samat va sortir Hip Hop de Rue Volume 2. Ensuite, il va sortir Hip Hop de Rue Volume 3 en 2008. Et après, en 2009, il va sortir La Douleur du Bitume. Mais c'était plus un album promo. Et après, il va déserter les bacs. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi. Comme j'ai pu vous l'expliquer, Samat avait déserté le rap depuis plusieurs années. Il a été impliqué dans énormément d'affaires judiciaires. Il a passé tous ses derniers temps en prison. Et donc là, on a vu un Samat qui était sur le retour depuis quelques mois.
et qui préparait la sortie d'un nouveau projet. Et c'est pour ça que vous avez pu le voir, notamment en train de faire la promotion de ce nouveau projet qui s'appelait Commission Rogatoire. On a pu le voir dans un clip avec Kalash Criminel. Il préparait la sortie de son nouveau projet. Mais on va s'intéresser aux problèmes judiciaires et notamment pourquoi justement Samat est en prison depuis tous ces derniers temps. Parce que là, il faut savoir que beaucoup de gens pensaient que Samat était libre. Mais en fin de compte, quand vous le voyez en train de tourner des clips, il était tout simplement en permission. Au moment où il a été assassiné avant-hier soir, il était en permission. Donc, les personnes qui l'ont assassiné savaient qu'il avait une permission. Et donc, il était pisté, comme je l'ai expliqué à la personne dans la vidéo tout à l'heure, puisque j'étais sur place. Et j'ai vu des gens de sa famille en train de pleurer. C'est pour ça que je vous ai dit réellement qu'on se rend pas compte des fois du mal qu'on peut faire à sa famille. Parce que bien souvent, quand on part, c'est ceux qui restent qui souffrent. Concrètement, Samat sortait un projet tous les ans. Donc son dernier projet datait de 2009. Ensuite, en 2010, il est incarcéré pour une tentative d'assassinat. Il passe plusieurs années en prison. Il ressort. 2017, il est dans le 16e. Il fait des infractions routières. Il se fait contrôler. La police trouve dans son véhicule un 9 mm caché derrière son compteur. Ils vont trouver également de la drogue. Ils vont trouver 1 800 € en espèces. Il va être réincarcéré. Par la suite, il va être sur écoute. On va démanteler tout un réseau autour de lui de trafic d'armes et de trafic de drogue. On va apprendre qu'en fin de compte, c'est une grosse tête du trafic. Le dossier va s'alourdir par la suite en 2018. Parce qu'en fait, de sa cellule, il continuait à organiser son business. Il avait 5 cellulaires dans sa cellule. Et les 5 cellulaires qu'il a pu avoir durant son incarcération étaient mis sur écoute. Ils ont démantelé tout un réseau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ça assez étrange qu'il arrivait à avoir quand même des permissions. Maintenant, on va s'intéresser à ce fait d'actualité qui s'était produit en 2010. Et vous allez voir que c'est assez étrange parce qu'en fait, ce qui s'est passé en 2010, notamment cette tentative d'assassinat sur les fondateurs de la marque Gorilla Legend, on va se rendre compte que c'est ce qui lui est arrivé malheureusement, sauf que lui, par contre, on lui a ôté la vie. L'affaire se passe en 2010, en juillet 2010, sur le parking de Cora, le centre commercial Cora qui se trouve à Garges-lès-Gonesse, tout comme Samat qui a été assassiné au McDo de Garges-lès-Gonesse. Ça se passe toujours à Garges-lès-Gonesse. Quelques jours avant, un ami proche d'un des fondateurs de la marque Gorilla Legend est pris en otage. Et on lui demande d'organiser un rendez-vous avec justement des fondateurs de la marque Gorilla Legend. Le type se présente sur le parking. Il se fait tirer dessus à plusieurs reprises. Il court se réfugier dans le centre commercial de Cora. Il s'est pris des balles dans la jambe. Il est gravement blessé. Il se fait hospitaliser par la suite à l'hôpital de Gonesse. Les trois types ont eu le temps de s'échapper. La police fait une enquête et remonte à Samat et un de ses potes. Le troisième qui s'appelait Abdelkader à l'époque, lui était en cavale. Il s'est rendu par la suite. Et au final, on pourrait se dire peut-être que c'est un retour de flamme, c'est une vengeance. Mais quand on fait une enquête, on se rend compte qu'il y a dû avoir un arrangement entre eux. Puisque dernièrement, on a pu voir Sofiane qui portait la marque Gorilla Legend. Et ça, je vous parle de photos récentes qui datent de 2019. On voit également Eus l'Enfoiré qui est un artiste de Sofiane qui porte la marque. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Sofiane est un proche de Samat. Donc s'il y avait encore un conflit entre ces deux-là, entre ce groupe de la marque, des fondateurs de la marque Gorilla Legend, je pense que Sofiane ne ferait pas de la promotion pour cette marque. Donc je pense qu'il y a dû avoir un arrangement à l'amiable. Il faut savoir que ça arrive régulièrement, ce genre d'embrouille. Hein. Quand je vous dis régulièrement, ça me fait penser à l'affaire avec Mohamed Dia. Quand il avait sorti sa marque Dia Collection, il s'était associé avec quelqu'un. Un type lui avait fourni des fonds pour qu'il puisse créer sa marque de vêtements. Ce type était tombé justement, il était en prison. Et quand il est sorti de prison, il a dit à Mohamed Dia de lui donner ses sous. Mais Mohamed Dia avait disparu. Et un jour, ils ont réussi à retrouver Mohamed Dia. Il allait voir sa famille à Sarcelles. Il s'est pris une balle. Par chance, il a survécu. Après, il est parti s'installer aux États-Unis. Mais c'est pour vous dire que des fois, des gens de l'extérieur vous donnent des fonds, il faut être réglo.
Après, je ne justifie pas du tout hein, cet acte de tentative d'assassinat, mais des fois, il y a certains coups, il y a certaines trahisons dans le milieu. Après, moi, je ne sais pas. Par contre, je vous dis ce que je sais. Mais une chose est sûre, c'est que je ne pense pas que ça soit basé par rapport à... Je ne pense pas que l'assassinat de Samat soit lié à cette tentative d'assassinat qui date de 9 ans. Et donc, au final, c'est pour dire que lui, par contre, Samat, il n'a pas pu échapper à sa mort parce que les mecs étaient très précis. Ils ont cherché vraiment à le tuer puisqu'ils lui ont mis une balle en pleine tête. C'est que vraiment, ils voulaient lui laisser aucune chance de vivre. Sur ce, les amis, la vidéo se termine. Je vais faire une petite dédicace à Michael qui discutait avec moi sur Instagram et qui me disait que ça lui faisait penser cette histoire à un morceau que Kerry James avait sorti. Quelle grosse dédicace à toi. Tu m'avais dit que le morceau que tu aurais choisi pour résumer cette affaire, c'est « Je ne crois plus en l'illicite ». Et moi, je dirais que je pense que le morceau le plus en adéquation avec cette affaire, c'est tout simplement le morceau « Deux issues » de Kerry James. Morceau dans lequel il disait, en d'autres termes, « Quatre murs ou quatre planches, t'es prévenu. Il n'y a pas un voyou qui fasse long feu. T'es prévenu. La rue ne t'offre que deux issues. » La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. N'hésitez pas à laisser un like ou un j'aime sous cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour donner plus de visibilité. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Marcus Dia TV et également à la chaîne Marcus Dialogue où je traite de sujets d'actualité et de faits de société. Ciao la famille.